mettre les couleurs du Cameroun. 5, 4. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh Kankwe, mon amour, we die for ya. Kankwe, oh Kankwe, Kumba Watano, fisu mi for ya. Hello! Salut, 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 salut! Bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. Une je fois sais de plus, ladies and gentlemen. Oui, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié, n'est-ce pas? Oh my god! On a manqué à qui? À beaucoup de personnes, en fait, moi j'ai manqué, n'est-ce pas, les gars? Parce que vous nous avez aussi beaucoup manqué. Oui, les gars, vous nous avez beaucoup manqué. Et Dieu merci, notre problème est résolu. Oui, les gars, je sais que présentement on est en train de parler. J'espère que vous écoutez ce qu'on est en train de dire parce qu'on est dans la rue. Et... nous sommes en pleine rue avec les bruits, les gars, c'est pas du tout évident. Vraiment, on est très contente et vraiment, on vous remercie beaucoup. On sait que vous êtes toujours là à nous regarder. Mais pour preuve, vraiment, abonnez-vous, les gars, parce que. Il est inadmissible qu'on a des vues, mais pas d'abonnés. Mais des abonnés minables. Ouais. C'est pas bon, les gars. C'est pas bien, les gars. Il faut vous abonner pour nous encourager. Nous. Oui. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui est devant le bouton abonné. Partager au maximum. Comme ça, quand on va publier une vidéo, ça va venir directement chez vous. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler du sexe du bébé. Nous, on a un peu voulu garder ça pour nous, mais on s'est dit que vous êtes notre famille et on va tout partager avec vous, en fait. Avec nous, pas de secret. Donc, comme on avait dit dans les vidéos précédentes, on connaît déjà le sexe du bébé. Mmh. Et aujourd'hui, on va vous en parler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller dans des magasins, essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut prendre pour utiliser. Je ne sais pas, un truc bleu ou bien... un truc bleu ou rose. Bleu, ça veut dire garçon. Rose, ça veut dire fille. Oui, et on va un peu faire ça d'une manière intime. Déjà, on va vous dire le pourquoi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, chérie? Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais où on va aller. Parce que là, regardez, on est au milieu de nulle part. On est au milieu de la route, les gars. Donc, attends un peu, fume un peu mon ventre. Les gens sont en train de me regarder. Ouais. Les gars, vous savez, je viens de terminer mon deuxième trimestre, je suis très contente, ça veut dire que j'arrive déjà à la fin. Au dernier tournant, au dernier virage, on peut le dire. Attends, on ne voit même pas encore trop mon ventre, je vais faire attention avec la boutique. On ne voit pas encore trop mon ventre. Attends, ça se voit, c'est la vie qui cache. Ouais, elle fait son malin. Au milieu de la route, j'ai... Attends les gars, je vous montre un peu. On est complètement au milieu de la route là. Complètement. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu acheter des grands ballons comme normalement on fait sur des gender reveal, donc pour montrer le sexe du bébé. Ouais. Et tout. Mais puisque ici vraiment on est un peu... Nous on n'a pas de famille. Déjà j'ai pas ma famille ici et mon chéri non plus. Du coup, on a voulu faire un truc un peu personnel. On dans a juste. Oui, dans l'intimité. Parce que pour faire cela, il faut inviter des gens, non, chérie. Ouais. Payer des gâteaux et tout. Du coup, on n'a pas vraiment d'amis qu'on peut dire que c'est trop intime, en fait. On n'a pas vraiment trop d'amis ici. Bref, on ni a de famille. Garder ça intimement. Et peut-être au moment où le grand jour serait. Ouais. Et quand l'événement grandiose va se présenter, peut-être on aura l'occasion de célébrer cela avec la famille, avec des amis au moment venu. Parce que pour l'instant, on préfère garder l'intimité. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas voulu trop exposer notre bébé avec des gens en disant on veut montrer le sexe du bébé. Bref, tout ce qu'on a à vous dire, c'est qu'on est sorti, comme on a dit dans l'intro, en fait. Et on est venu chercher quelque chose, peut-être pour vous montrer le sexe. Peut-être quelque chose de bleu ou bien de rose, on ne sait pas encore. Bleu, ça veut dire garçon. Rose veut dire fille. Oui. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé ce qu'on cherchait et on va continuer notre marche. Vous savez, le docteur a dit que je vais marcher une heure par jour au moins. Donc, on va un peu essayer de marcher, aller auprès de la plage. Et on va au bord de la mer. Oui. Et on va vous dévoiler le sexe de l'enfant là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rester scotché et bavarder. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Les gars, on paye ce qu'on a à payer et on veut sortir. Lui, il est en train de classer les couleurs pour mettre les couleurs du Cameroun. Jusqu'à il classe. Beau pays, ça, c'est du vert. Oui, en plus. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est du jaune. Ton vert ou jaune? Vert, rouge, jaune. Tu sais que quand tu vas tourner le dos, on va venir encore mélanger ça comme ça. Mais je préfère que ça soit là quand je suis là.
quand tu es là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes allé en Coupe du Monde, n'est-ce pas? Va pas en Coupe du Monde qui veut, mais qui peut. Ah bon, hein? Ouais, ah, même quand tu vas te tourner, on va toujours gâter. Ouais, bon, mais quand même, laissons présence, quand même vert ou jaune. Voilà. Il faut pas qu'on bavarde trop. Moi, ouais, bon, je veux. La famille ivoirienne, on est ensemble. Hein? Les Ivoiriens, tous les Africains, en fait. Ouais. Nous sommes ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On continue avec la vidéo, les gars. J'ai oublié un petit détail, la famille. J'urine chaque 5 minutes. Donc, ça, c'est la pause pipi. On continue. Attends, j'ai encore envie d'uriner. Mais cette fois-ci, viens m'accompagner, s'il te plaît. Oh là 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 là. Non, je suis en train de blaguer. Dans 5 minutes, j'urine encore. Viens, viens, ça va. La famille. C'est pas facile de marcher avec une femme enceinte, les gars. C'est la magie, je vous assure. Il y a le trésor là-bas derrière moi. Regarde ce qu'elle fait là. Trésor, viens, on va, non? Je marche à ton rythme tout simplement. Viens dire bonjour à la famille. Nous sommes presque arrivés. Oh là là. C'est là devant, on va. On est arrivé. Mais tonton, que tu vas marcher au moins une heure temps par jour. Toi, tu traînes. On a marché seulement 30 minutes. Les gars, le problème, c'est que tu es en train de courir. Moi, je suis derrière. Je cours quoi, mon frère? Je marche normalement. Oh là là. Non, il faut marcher à mon rythme. Voilà. À ton rythme, est-ce qu'on va jamais arriver? On est même pas encore arrivé. Regarde, là, on est encore loin derrière. Non, 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 non. Oh là 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 là. Ne pas plus me laisser. Sinon, moi, je vais m'asseoir même. Je m'asseoir. Ok, m'avance, on a qu'à finir, je cherche un taxi pour toi, ok? Non. Je bouge plus, voilà. Calé poster. Tu promets que tu m'attends maintenant, tu ne pas. Calé poster. Lève-toi pas. Non, tu ne peux pas me laisser, non. Mon Dieu. Ouais. C'est bon, mon sac. C'est bon. A tout à l'heure, les gars. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh Kankwe, mon amour, we die for ya. Kankwe, oh Kankwe, on kumba watano fisu mi for ya. So Kankwe, oh Kankwe, na foye we mi adorime. Kankwe, oh Kankwe, c'est ici que je me suis collé. En fait, la famille, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un endroit pour s'asseoir et faire et vous montrer enfin le sexe de l'enfant. Donc, en fait, on n'est pas vraiment là où les gens se baignent. C'est loin là-bas au fond, les gars. Mais pour le moment, il faut qu'on vous montre déjà le sexe de l'enfant. Et on ne peut pas descendre jusqu'à là. Il faut qu'on trouve un endroit, chérie. Ok, les gars, le moment tant attendu est arrivé. Ok, on va vous présenter le sexe du bébé. Donc ceci, je ne sais même pas à quoi ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle, mais on va tourner et une couleur va sortir. Soit c'est bleu, soit c'est rose. Si c'est bleu, c'est un garçon. Si c'est rose, ça veut dire que c'est une fille. Oui, 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 les gars. En fait, il faut qu'on compte. Normalement, comment c'est bien vrai qu'on ait juste deux. Mais il faut qu'on compte et c'est très deux important. Deux déjà, c'est pour plusieurs. Nous. Hein. Oui, comptez même avec nous. Il faut qu'on compte de 3 à 0. Non, de 1 à 3. De quoi, chérie? Toi aussi. De 5 à 0. 5, c'est long. Moi, je vais être impatient de et je vais claquer. De 5 à 0. Allez, on y va ensemble. Bon, en fait, chérie, prends, c'est toi qui ouvre. Non, parce que je ne veux pas que ça m'atomise. Non, je compte. Non, j'ai peur de. Je compte. Non, s'il te plaît. Je compte. Et racontons ensemble. Non, voilà. S'il te plaît, chérie. Ah. Non, attends, prends, c'est toi qui fais. Moi, j'ai peur. Je vois comment faire. Tu tournes comme ça, oui. Mets-toi droit et tu tournes comme ça. Quand ça va arriver. Attends, non, pas encore. Ton mari, hein, tu vas tourner. Attends d'abord, attends. Ok, bon, on va. Comme vous pouvez le constater, c'est là. On ne voit pas encore la couleur. Ne rapproche pas trop, on va voir la couleur. Ok. Bon, d'après vous, laissez en commentaire, c'est une fille ou bien c'est un garçon? C'est rose ou bien c'est bleu? Hé les gars, hé chérie,
Ladies and Laissez gentlemen, un commentaire avant de voir, je suis pas touchée. Ladies and gentlemen, this is the time. Bon, 5, 4, 4, 3. Tu n'as pas entendu jusqu'à zéro. C'était quelle couleur dedans? Pourquoi tu ris? Non, chérie, toi aussi, non. Nous, on dit qu'on va arriver juste jusqu'à 1. Toi, tu exploses avant. J'étais pressée. Les gars, j'étais pressée. J'étais pressée. Ouais, c'est parce que tu connaissais déjà. Ok, les gars, vous, comme vous avez vu, vous n'avez même pas pu voir. Il a tout explosé. Les gars, c'est une fille. Oh non. Regardez les couleurs. Les gars, je ne sais pas si vous voyez. Voici tout ce qu'il y avait dedans. La couleur rose. Chérie, on attend jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Oh, toi tu as fait, j'ai même eu peur. Même l'enfant allait secouer dans le ventre. Les gars, je vais te caler vraiment au milieu de ces roses. Parce que comme c'est une fille, je suis trop contente. Trop contente. Et quand je vois ça, vraiment, ça me rappelle. Je me dis, à qui est-ce qu'elle va ressembler? À moi, bien sûr. Je veux qu'elle me ressemble. Quand je vois ça, ça me... Ah, elle est en train de me cogner même présentement. Chérie, elle dit qu'elle veut quoi, elle? Elle dit qu'elle veut manger dans un restaurant. Viens, on y va. Toi, tu mérites une punition, voilà. Les gars, j'étais pressée de vous faire découvrir. Je ne pouvais plus continuer à vous faire attendre. Non, mais j'ai dit 5, 4, 3, boum! Ça ne change rien, les gars. Non, ça arrive jusqu'à 1. Les gars, le suspense est terminé. La voile a été dégagée. Oui. Et comme vous pouvez constater, les gars, on attend une très jolie princesse. Oui, qui va me ressembler. Un mélange de tempo et trésor. Vraiment, je suis dépassée. Dans les commentaires, j'ai reçu beaucoup plus de c'est une fille que c'est un garçon. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé, les filles? Qu'est-ce qui vous a motivé de dire que c'est une fille? Même les garçons disaient c'est une fille. Parce que avant même de connaître le sexe du bébé, on était en train de voir dans les commentaires c'est une fille, c'est une fille. Pourtant, j'avais des boutons, j'avais tout ce qui... J'avais fait une vidéo concernant cela. Si vous n'avez pas encore regardé, allez la regarder. Concernant cela où je prenais les on appelle ça quoi? Les prédictions de grand-mère qui me disaient que... Donc, tout portait à croire que ça allait être un garçon. Mais dans les commentaires, je vois c'est une fille trésor, c'est une fille. Et maintenant, finalement, c'est une fille. Vraiment, dans ma vie, j'ai jamais eu à porter un enfant. Tout ce que Dieu fait oui, est un bon, enfant les gars. Fille. J'ai toujours porté des garçons. Le plus important, c'est que si c'était une fille, c'était un garçon. Ouais, en fait. C'est une bénédiction de c'est Dieu. C'est une bénédiction. Quand c'est une fille, c'est bien. Quand c'est un garçon, c'est bien. Donc, ce qui fait que vraiment. Dieu nous a rendu grâce d'une fille, on l'accepte et on dit merci. Papa God, tout simplement. Donc vraiment, bref, tout ce qu'on veut savoir, c'est que l'enfant soit en très bonne santé. Que ce soit un enfant, que Dieu nous bénisse avec un ange, avec un enfant en fait. Et vraiment, on est très contents. J'espère que vous l'êtes aussi. Et si c'est le cas, likez la vidéo les gars, parce que moi j'ai beaucoup marqué. Mais serait-ce que pour notre princesse, oui. Partagez. Oui, et likez. On veut voir les abonnements. Gonfler et regonfler. Oui les gars, et surtout il faut liker s'il vous plaît. Parce que moi j'ai marché, je me suis assise à même le sol parce que j'étais fatiguée. Monsieur était en train de marcher vite. Donc au moins c'est pour ça, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas encore mis, mettez un pouce bleu comme ça. Et surtout n'oubliez pas, la page Instagram est là déjà. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Instagram. Et la page Facebook arrive dans les prochains jours. Ouais. Et surtout sur la page Instagram, je sais qu'on n'est pas trop actif, mais à partir de 1000 abonnés, on viendra avec les réels. Donc ne vous inquiétez pas, il faut continuer à vous abonner, les gars. On vous aime et comme vous les adore. Enfants aiment les bonbons. Et maintenant, j'allais oublier une chose. Oui. Il y en a qui nous écrivent via Instagram. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement pas. Si on ne vous répond pas, ne croyez pas peut-être que c'est un manque de respect ou quoi que ce soit. Tout simplement par manque de temps. Nous recevons des centaines de messages. Oui, et on va vous répondre. Donc, restez connectés. Et si vous avez des trucs privés à partager avec nous aussi, Instagram, vous pouvez aussi le faire en privé et on va vous répondre, les gars. Ok, les gars. Bon, comme j'ai dit, on vous aime comme les enfants aiment les bonbons. Bye.